Ouais, nous on visait une base scientifique abandonnée qui s'appelle Gorbounov et qui est donc une base qui était en activité au siècle dernier, et à la chute de l'URSS, les scientifiques l'ont quittée. Donc fin des années 80, début des années 90, ils ont abandonné cette base qui avait été construite de toutes pièces par les Russes dans les années, au cours du 20e siècle. Et tout avait été amené à d'autres chameaux, à d'autres yaks. Et donc, ils ont installé un espèce de campement, mais qui est super confortable, quoi. Et nous, on a atteint ce point-là à la fin de l'expédition. Et c'est un endroit incroyable parce que quand on rentre dans la base, tout a été laissé comme tel, quoi. Donc, il y a encore les instruments de mesure, il y a des bouquins, il y a de la vaisselle, il y a des lits, il y a des posters. Et donc, on est au milieu de nulle part. Et finalement, tu retrouves une espèce de petite base confortable. Et on était accompagnés par des Tadjiks qui portaient une partie des affaires et qui, eux, en fait, étaient aussi émerveillés que nous, en fait, que d'arriver là-bas, quoi, parce que c'était une partie de leur histoire.